Viens vers moi. Ah, tata. Oui. Viens vers moi. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une journée shooting pour Naomi. Le shooting se passe à la maison, dans sa chambre. Non Noah, arrête, il est en train de jouer avec lui. Et dans le vlog au fait je vais vous montrer comment est-ce que je me prépare, comment est-ce que j'apprête Naomi, donc la mise en scène, tout ce que je fais pour prendre les photos de Naomi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou Instagram, c'est De la couleur dans nos vies. Et c'est parti pour le vlog. Comme je vous disais, le vlog se passe dans la chambre. J'ai déjà lavé Naomi, elle est déjà prête. J'ai également apprêté son frère. Donc en général, ce que je fais, c'est que lorsque je prévois faire un shooting photo pour Naomi, je pense déjà à l'idée de photo, donc au genre de photo que je veux faire. Et par rapport au genre de photo que j'aimerais faire, je choisis des tenues en fonction du genre de photo que je veux faire. Donc là aujourd'hui je voulais faire des photos plutôt cosy, cocooning, donc à la maison. J'ai choisi du bleu et du blanc. Donc j'ai porté un t-shirt blanc et un jean bleu. Et Noah lui il a porté un t-shirt blanc et un pantalon bleu. Et Naomi par contre a porté un pantalon blanc et un top bleu clair à rayures, avec des rayures blanches au fait. Donc c'est pas forcément des tenues exactes, c'est vraiment dans le ton de couleur. J'aime bien que ça s'harmonise au fait. Je trouve que c'est un plus pour les photos. Et du coup dans la chambre de Naomi, bien sûr j'ai mis de l'ordre parce que c'est pas tout le temps ordonné. Alors je vous ferai d'ailleurs un room tour dans une autre vidéo parce que c'est une chambre que Naomi avait depuis ses 18 mois. Et j'ai remarqué que depuis qu'elle a commencé l'école, pour faire dodo c'était tout un problème. Donc j'ai décidé de remettre au bout du jour sa chambre pour que ça soit un endroit vraiment cocooné où elle peut vraiment apprécier son dodo au fait. Donc je vous ferai un room tour pour ça. Mais pour cette vidéo ça sera juste le vlog. Donc ça sera un peu comme un backstage de notre shooting photo avec Naomi. Comme je dis, non, j'ai déjà mis de l'ordre, on arrête toi. Non, non. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu d'ordre parce que Noah il a mis le désordre. Donc un peu d'ordre avant de passer au shooting. Donc là sur le lit il y a la pommade, le piano, donc je dois enlever tout ça. Alors donc là je descends parce que j'ai ma photographe qui est déjà là. Et du coup qui c'est qu'on a là? C'est Marie. Là j'ai Marie-Emmanuela qui est ma photographe. Marie-Emmanuela. Donc Naomi le modèle. Donc je vous ai dit je vous mettrai le compte Instagram de Marie-Emmanuela à l'écran. Donc c'est la petite Domi. Si vous êtes à Nantes n'hésitez pas à la contacter. Mais Nantes et ses environs, tu peux te déplacer aussi? Oui. Si besoin tu peux te déplacer, oui, déplacer. Donc dans toute la France? Oui. Si besoin, oh, ok. À l'international aussi. Donc vous n'hésitez pas à la contacter si vous voulez faire de belles photos de famille ou soeur. Et pour Naomi, je vous ai dit que j'ai créé son compte Instagram, donc je vous mettrai ça à l'écran, c'est Glow Like Nao. Et bien sûr, l'assistant de tous les jours, donc monsieur mon chéri, et Noah. Noah bébé. Allez, donc maintenant on va filer pour faire les photos avant que la lumière du jour nous lâche au fait. Ouais, ouais. Allez Naomi. Oui, on sait que t'as de longs cheveux, on sait. Ouais, attends, je vais prendre Noah, comme ça tu auras le temps de faire les photos. Naomi, tu déranges pas tout. Naomi, Naomi. Est-ce que l'éléphant, c'est pas mieux qu'il soit derrière, au fait? Parce que l'éléphant, il peut être comme ça. Hé, hey, Noah, mais pas tout le temps tu viens déranger les choses, mais purée. Cet enfant-là. Mon cœur, regarde-moi, regarde-moi. Fais coucou. Coucou. Attends. Ah, ça, c'est bien. Eh, ça, c'est bien. Noah qui gâche les photos de sa soeur. Oh, là, tu veux les prendre en photo comme ça ou mais après? Oui, là ça fait plus naturel. Non, Naomi arrête de crier. Oh, t'as pris une photo avec ton frère. Ok, ok. Oh là là. Noah. Naomi, c'est pour prendre les photos, ne te plains pas Naomi. Noah, tout cassé mes pistoles. Naomi, te fâche pas. Montre-lui comment on fait, c'est tout. Tu prends juste le bout là, tu prends juste les deux bouts,
tu fermes et quand on dit 1, 2, 3, tu ouvres juste un peu, c'est ça non? Ouais. Tu veux qu'elle ouvre juste un peu? Oui, juste un peu. 1, 2, 3. Tu souris? Fais la tête comme ça. Et puis tiens le rideau aussi, tiens le rideau. Et l'autre? Ça dépend, tu veux qu'elle fasse une autre? Oui, tu prends encore la robe, vas-y. Ok, tu prends, voilà. C'est bien mon bébé. T'as chaud à la main. Il fait chaud? Oh, tu veux que j'ouvre un peu la fenêtre? T'as chaud à la main. T'as chaud à la main, tu veux que j'ouvre un peu la fenêtre, mon cœur? Oui. Ici? Oh, oui, oh, oui, c'est ça, voilà. Hé, hey, choco, choco, hein? Elle est trop choco, choco. Oh, choco, oh, choco, oh, choco, choco, choco. Hé, hé, hé. Wow. Canon, hein? Franchement? Non, attends, attends, est-ce qu'on peut voir ça à ma caméra? Essaye de mettre à la caméra, je vais voir. Trop, trop, trop beau. Trop beau. Ouais, c'est cool. Et qu'est-ce que maman a ramené? Des bonbons pour vous deux. Alors là, on a fini le shooting. Donc, Naomi, elle a assuré. Ouais. T'es contente? Oui. T'as aimé les photos? Oui. Et franchement, les photos sont super belles. Donc, je sais pas si elle aura déjà... Moi, j'ai dansé. Oui, toi, tu as dansé. Je sais pas si elle aura déjà développé les photos lorsque je vous ferai le montage, mais au pire, vous pourrez toujours retrouver les photos de Naomi sur son compte Instagram lorsque les photos seront disponibles. Et pour nous, je pense que monsieur nous propose un resto, je sais pas du tout. Donc, je verrai si je continue le vlog ou si je m'arrête là. Allez Naomi, c'est l'heure du... Piscine. N'importe quoi, c'est pas l'heure de la piscine, c'est l'heure du dodo. Non. Bah si, je vais te lire un livre, tu avais fait dodo Naomi. Beaucoup de livres. Non, pas beaucoup de livres, hein. Un seul livre. Tu montres le livre? Donc là, c'est le livre que une colorée a prêté à Naomi. C'est qui? Donc c'est son livre que sa mère lui avait lu quand elle était enfant, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, je vais te lire que deux pages, parce que là il fait nuit, je suis fatiguée. Non, tout ça. Non Naomi, c'est pas tous les soirs que je te lis beaucoup d'histoires là, je suis fatiguée. Lily Cocolico, ou la fabrique du bonheur. Lily Cocolico apparut devant un petit restaurant. Il était midi, la circulation intense de la rue bourdonnait à ses oreilles. Elle leva la tête et découvrit d'immenses tours de béton. Bonjour, fit-elle en rentrant. Je fabrique le bonheur, en voulez-vous? On lit la suite demain. D'accord mon cœur? Allez, on passe au lit. C'est moi. Maman, je ne veux pas dormir. Tu vas dormir, tu restes couché. Si tu vas dormir, c'est pas grave, mais tu restes couché. Avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Voilà, donc ferme les yeux, on va prier. Pour maman, papa. Pour moi. Tu dis merci Seigneur pour la journée. La journée. Protège-moi ce soir. Couvre-moi du sang de Jésus. Amen. 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 Je t'aime. Bisous. Je t'aime. Donc voilà les colorés, c'est tout pour ce vlog. Donc j'espère que cette journée avec Naomi vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Mettez des pouces si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Je vous mettrai également le compte Instagram de Naomi pour que vous puissiez la soutenir en vous abonnant à son compte. Sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.